Ce week-end, la Maison de l'Enfance proposait un spectacle intitulé « Petit nounours, grand héros » destiné à un public âgé de 4 à 8 ans. La pièce se déroule dans une boîte située dans un coin avec des objets cassés et sans valeur apparente. Des objets que tout le monde garde au cas où ils serviraient un jour et qui restent indéfiniment à la même place. Mais grâce à ce spectacle, ces objets vont prendre vie et devenir les personnages d'une histoire qui restera dans les esprits des enfants comme un moment précieux et spécial. En effet, durant 55 minutes, les enfants ont pu découvrir un spectacle doux, délicat et délicieux, avec, dans le rôle principal, un nounours. Celui-ci a pour mission de retrouver Nora, son amie avec qui il partage souvent une, voire plusieurs tasses de thé. Durant le spectacle, Nounours va donc devoir affronter différents périples avant de retrouver son ami. Une belle histoire qui nous a fait voyager à travers le monde imaginaire des enfants et dans lequel on se laisse aller sans effort. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir quelques extraits. Se trouve loin, loin outre l'océan fantastique. Et plus loin encore, au-delà de la froide mer glacée. Nounours sait nager, mais en mer, il vaut mieux naviguer. Oui. Il n'a pas de voile, pas de gouvernail. Il tourne un peu en rond. Il flotte et se balance. De long en large, de long en large. Ça lui donne sommeil. Même un nounours est fatigué parfois, bien qu'il veut rejoindre Nora. D'abord, il bâille très fort. Et ensuite, il s'endort. Là, sur une haute montagne, au-dessus des rochers, aigus comme des couteaux et rudes comme des scies rouillées, se trouve un bastion. Sévèrement gardé. Affreux. Barabos, c'est lui le chef. Tout le monde court pour lui. Tout le monde a peur de lui. Et tout le monde fait exactement ce qu'il dit.